Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Je sais vraiment pas pourquoi je fais cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Sora. Aujourd'hui, on va faire un petit truc un petit peu différent d'habitude. Déjà, vous allez vous poser la question de pourquoi est-ce que je chuchote comme un abruti. Eh bien, vous avez raison de vous la poser. Je me la pose aussi. La réponse, elle est où? La réponse, elle est sur mon téléphone. Pourquoi? Il est à peu près une heure. Il est même pas à peu près. Il est une heure du matin passé. D'ailleurs, vous pouvez voir que mon téléphone me propose d'aller dormir. Et j'aimerais accepter. Hein. J'aimerais accepter avec grand plaisir. Mais on va faire autre chose de bien plus rigolo. En fait, il me reste 3 jeux d'horreur sur mon PC que je n'ai pas encore fait. Et au lieu de faire des vidéos classiques, donc une vidéo sur un jeu, je me suis dit qu'on devrait faire une compilation avec un espèce de challenge où je... C'est une idée de merde. Où je joue au jeu alors qu'il est 1h du matin. Océlie dort dans la pièce juste à côté. Tout l'immeuble dort en fait. Hein. Il n'y a que moi comme un abruti qui va jouer à des jeux d'horreur. Du coup les amis, si vous m'aimez, ok, si vous m'aimez un petit peu, vous mettez vos écouteurs. Vous restez avec moi de A à Z et vous supportez cette douleur avec moi, ok? Bref, on va y aller les amis. 3 jeux, 3 parties. D'ailleurs, juste avant, j'y pense, mais je voulais vous parler d'un petit truc qui vient d'arriver sur YouTube juste avant et je voulais vous en parler. Pour la plupart, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur YouTube. C'est la fonctionnalité rejoindre, le petit bouton rejoindre qu'il y a en dessous de toutes les vidéos de quasi tous les YouTubeurs. Ce bouton rejoindre, il permet de devenir sponsor, c'est-à-dire soutenir la chaîne financièrement pour les projets, etc., etc., contre des avantages personnalisés pour vous. Vous avez des emojis personnalisés pendant les lives, vous avez une petite couronne qui apparaît à côté de votre nom ou de votre pseudo dans les commentaires et sur les lives, mais vous aurez aussi également des petits posts un petit peu exclusifs sur la chaîne et également de temps en temps la possibilité de voir des vidéos en avant-première. Ça veut dire que par exemple si je sors une vidéo le mercredi et que de mon côté elle est prête le mardi, hop, je vous l'envoie le mardi, vous pouvez la regarder et le reste des personnes pourront la regarder le mercredi. Ça change rien pour les personnes qui ne sont pas sponsors et pour ceux qui sont sponsors, eh bien ça leur permet d'avoir un petit avantage et c'est plutôt cool. Évidemment c'est un bonus, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et que vous en avez les moyens, vous pouvez le faire. Si vous pouvez pas, mettez un pouce bleu, c'est tout aussi bien. Bon, je pense que j'ai tout dit, on y va, c'est parti. Putain, le premier jeu, regardez-moi l'icône, c'est Satan. À quel moment je pensais être rassuré? Ok, story. Nein, Arschen, Langen, Nostrengen. Oh, ça veut dire bas les couilles. Ça commence bien. En tout cas, c'est plutôt sympathique comme début. On aurait très bien pu commencer dans un cimetière. On commence sous la douche. C'est pas mal, on va pas se mentir. Je suis désolé du coup, mais je parlerai assez bas pendant toute la vidéo. Vous comprenez, j'ai pas envie de... de réveiller tout l'appartement et qu'un voisin vienne toquer à ma porte. Ce qui serait assez chiant, je vais pas vous mentir, surtout à 1h du matin. Je vais devoir ne pas crier. Et ça, ça va être très très dur sans vous mentir. Qui est là? J'appelle la police. Frère, t'es à poil. Tu viens de sortir de la douche, tu peux pas appeler la police. Trouvez mon téléphone. Il est où mon téléphone? Wouh! Frère, depuis quand tes portes elles grincent comme ça? Genre, je sais pas, achète. T'es huile tes portes, fais quelque chose! C'est le bruit d'une voiture de Formule 1, c'est pas possible! Oh mon téléphone! Nashriton, Daisaizi. Oh putain, c'est en allemand, mais les gars! Ok, je pense que quelqu'un est dans ma maison. Quoi? Est-ce que tu es sûr? C'est pas une blague! Vite, viens très vite! You mean dire du burglar? Bah, traduction! Je sais pas du tout ce que je dois faire, où je dois aller. J'ai des frissons. Vous vous rendez pas compte, les amis, comment, à quel point. Je me chie dessus. Ah, je peux sauter par contre. Wouhou! Ouais. Jessica, c'est toi? C'est quoi ce son beaucoup trop fort? Faut que je trouve la clé de mon appartement. Trouve la clé de ton appartement, frère. Faut qu'on parte, faut qu'on parte. Tu es là? Tu es là? On se barre, on se barre. C'est où qu'on se tire? Je sais même pas où on se tire, gros. What the... C'est quoi cette merde? C'est de la confiture de framboise? C'est clairement de la confiture de framboise. I must find my house key. Je suis complètement d'accord, on devrait vite trouver tes clés. Y'a un truc là-bas, non? Oh, y'a un truc là-bas, il est devant la chambre à coucher. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est passé quoi? Ok, on se réveille. Ah, c'était un cauchemar. Ah bah, ça arrive à tout le monde, vous savez, de faire des cauchemars. Moi-même, je suis en train de faire un cauchemar en ce moment même, d'ailleurs. Je pense hein, que je suis en train de faire un cauchemar parce que ça ne peut qu'être un cauchemar. Alors, je vais pas vous mentir, ça ne peut qu'être un cauchemar. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, je vais prendre les clés de ma maison. Ok, pourquoi quand je dis ça, il n'y a plus de fucking bruit? Oh, la clé est là. Ok, je l'ai trouvée, c'est bon. C'est pas là? C'est pas là que j'ai utilisé les clés? Oh non. À mon avis, c'est cette porte-là. C'est ça. Non mais t'as pas un appartement, t'as une villa, gros!
C'est un cauchemar. Ok. Ça fait déjà 14 minutes que je rec. J'ai l'impression que ça fait deux jours. Le premier, c'est le challenge, est plutôt réussi, hein. On passe au deuxième jeu avant que j'arrête de filmer cette vidéo. Et maintenant, c'est un nounours, mais putain, un nounours. La tête de Satan, mais ça, c'est les commandements de l'apocalypse, là. À un moment, faut arrêter. Franchement, je serais même pas étonné que Michael Jackson, il toque à ma porte et qu'il me dise « Eh, gros, on fait le troisième jeu ensemble. » Plus rien ne m'étonne. Oh, putain. Bedtime Blues. Ok. Oulalalalalala. Et maintenant, c'est une boîte à musique, mais... Mais putain, mais je les collectionne, les conneries. Mais je les collectionne, c'est pas possible. Alors, chapitre... Ah, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Super. Apparemment, il faut que j'utilise la flashlight, donc la lampe torche, quand je vois Teddy. Il faut aussi que j'utilise la lampe torche quand je vois Teddy qui ouvre la porte de ma chambre. Quand Teddy apparaît sur le lit, il faut que je ferme mes yeux. Oh là là. Quand l'alarme retentit, il faut que je la ferme, ou sinon il va aller plus vite, Teddy. Ok, c'est parti. Franchement, des fois, je vous le dis, j'ai vraiment des idées de merde. Faut vraiment que je me pète une jambe au moment où j'ai des idées comme ça. T'as un visage mignon, Teddy. Dis-moi au moins que t'as un visage mignon, s'il te plaît. Me dis pas que t'es possédé par Satan, s'il te plaît. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il est mignon. À quel moment ça peut partir en vrille, franchement? Et bah, à ce moment-là. Les Maximes, t'as pas peur, t'as pas peur, t'as pas peur. Comment on la ferme? Ferme-la, ferme-la. Mais tais-toi. Oh, t'es moche, Teddy, putain. Il est là-bas? Ok, dégage, dégage, cache-toi, Teddy. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc. Est-ce que vous avez remarqué? Parce que finalement, tais-toi. Je vous jure, s'il me fonce dessus, je vais tellement mal le vivre. Y a pas d'ours en plus, là. Là, c'est la vie ou la mort, là. C'est la vie ou la mort. Du coup, je vous racontais quoi? Je vous disais, je me baladais sur Twitter et j'ai vu un truc extrêmement... Mais frère, tu venais d'où? Tu venais d'où? Remember to close your eyes. Moi, je dois fermer mes yeux, mais toi, tu dois fermer ta... J'ai même pas eu le temps de dire mon histoire. Du coup, je me baladais sur Twitter. Putain, je vais réussir à finir mon histoire. Et je suis tombé sur un tweet extrêmement drôle, extrêmement marrant. On rigole, là? On rigole. Qui disait, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que pour dormir, on dort tous, hein, à preuve du contraire, on dort tous. Eh bien, pour dormir, on fait semblant de dormir. Voilà, depuis que j'ai vu ce tweet, ça a changé ma vie. Je fais également... Tais-toi. Je fais... Tais-toi. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Je me rappelle plus, je fais quoi? Je crois qu'il faut que je ferme les yeux, mais je suis pas sûr. Ok, je dois fermer les yeux, c'est bien ça. Dégage. Oh, il va de plus en plus vite, mais c'est Satan en personne. Ferme les yeux. C'est quoi? Remember to check under the bed. Je sais pas comment on fait. Check under the bed. Ah, c'est Q. Ah. Mais ça marche pas du tout, en fait, Q. Je comprends pas. Ah, c'est ça! Là, j'ai toutes les cartes en main. Là, je vous jure, là, si on passe pas la nuit dans cette partie, je comprends pas. Petit ours brun. Gentil galopin. Malin, mené, petit ours brun. Oh, mais non, mais frère, tu peux devenir. Quoi? Oh, on y est presque. Là, j'y crois de toutes mes forces. Hein. J'y crois de toutes mes forces. En dessous? Non, il est pas en dessous, ok. Oh, c'est il est en dessous. Oh, il fait tellement peur quand il est comme ça ici. On est bon ou pas? Oh, ferme les yeux. Merci. Ok, c'est good. Ok, c'est vraiment good. C'est vraiment très très good, les amis. On passe au jeu numéro 3. Le dernier jeu s'appelle Le Mannequin. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Je suis en train de mourir. Ah, attention, le jeu est déconseillé au moins de 16 ans. C'est une bonne nouvelle, ça. Enfin, moins de 16 ans, donc je ne peux pas jouer, hein, je suis désolé, mais à un moment, sur ma carte d'identité, c'est... Regardez, hop là, hop, ma carte d'identité. Voilà, j'ai moins de 16 ans, je suis désolé, hein, je ne peux pas finir ce jeu. Donc, la semaine prochaine, ok? Ok, vous m'avez démasqué, c'est une fausse carte d'identité. Le Mannequin a une meilleure expérience de jeu quand tu joues avec les écouteurs. Oh putain, mais mec. Mais what the fuck? C'est quoi ces lampes torches discount là où tu peux pas voir à plus de 10 cm de toi? Je vais pas commencer par me faire poursuivre par quelque chose où ça vient de commencer là, on sait même pas l'histoire. C'est quoi ça? Ouais, il ressemble à un mannequin qui est complètement pété, ouais, clairement. Ah d'accord, ok, il va falloir que je lui mette les... D'accord, ok, j'ai compris. En fait, je vais créer l'outil qui va me buter, en fait. Mais c'est génial, c'est super. À quel moment dans ta vie
tu achètes un mannequin comme ça? Vous avez 3 secondes pour répondre, le chrono est ici. C'est terminé. Qu'est-ce que vous avez répondu? Il n'y a aucune justification possible. Tu peux pas, même quelqu'un que tu veux tuer, même quelqu'un que tu détestes, tu lui achètes pas ça, on sait jamais. Regarde-moi ça. C'est... Ah bah c'est quand même plus sympa ici, on va pas se mentir, c'est quand même plus sympa ici. Alors, le journal, une tragédie, je m'en bats les steaks, hein. Mais qu'est-ce... Mais à quoi je suis en train de jouer? À quoi? À quoi? Et je vous le dis, quand on va voir le... Quand on va voir le mannequin, je vais pas être bien. Tu es là? Ah bah oui, c'était trop facile, j'étais là, bien entendu, hein, évidemment. Alors, Lisa, c'est mon nom, c'est clairement mon nom. Ferme cette porte. Merci. Alors vous voyez, je suis pas détective, hein, je suis pas agent, machin. Mais mon nom sur une vitre avec de la buée, plus un cadavre dans une baignoire, tu mélanges tout ça. Bah ça fait de la merde en fait. Ça fait que tu pars de cette maison, tu t'en bats les steaks. Mais tu restes pas ici frère, tu restes pas ici. Tu fais tout sauf rester ici. À un moment, si tu restes ici, c'est que t'aimes la mort. C'est que t'es comme Baptiste, t'es pas très net. Mais si, je suis très net. Petite musique jazzy, on apprécie la petite musique jazzy? On aime bien les petites musiques jazzy. Et vous, est-ce que vous aimez les petites musiques jazzy? Je pense que oui, hein. Crouch, c'est quoi crouch? Turn, crouch. Crouch. Mais what the fuck, mais c'est pas vrai, mais faut arrêter, là, faut arrêter. C'est pas gentil de faire ça. Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu attends? Oh, j'ai pas crié. Pourquoi le mannequin, il est pas content comme ça? Moi, j'ai rien fait du tout. Oh, alors, 5€ que la porte se referme. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça, Bobby? Est-ce que t'as pas l'impression que je me chie dessus, Bobby? Bah moi, je le sens, Bobby. Je le sens très très fort. Alors, tu es très très souple, Bobby, parce que moi, la dernière fois que j'ai essayé, ça a donné ça. Est-ce que je dois monter à un étage et du coup, je peux mettre la pellicule quelque part? Je sais pas du tout. Oh, attendez. Dark Room, c'est ça. Ok, je place ça. Qu'est-ce qui se passe? J'examine. Y a pas un bail où faut que je le mette? Voilà, faut que je le mette là-dedans. Et qu'est-ce que je fais de cette photo? Moi, j'en sais rien. Tant pis, je m'en vais. Peut-être qu'on va retrouver Bobby au final, parce que Bobby, il aime bien se balader un petit peu partout. Ah bah justement, c'est l'endroit de la photo, non? J'ai des frissons, vous imaginez même pas, putain. Regarde, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais cette chair de poule que je me tape, c'est incroyable. C'est horrible. Ok. Oh, je l'ai relevé. Ah, j'ai recréé le cliché, en fait, en relevant le mannequin. Là, c'est moins... Encore? Mais t'aimes bien me faire ça, c'est fou ça, t'aimes bien me faire... Tomber dans les pommes? Et ben on va s'arrêter là. Les amis, j'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu. C'est quelque chose qui change vraiment de ce que je fais d'habitude. Mais je trouvais ça vraiment super drôle, je crois, au début en tout cas. Je termine, il est 1h51 du matin et mon téléphone me demande toujours d'aller me coucher. Je pense que je vais l'écouter et suivre ses conseils. Si jamais ça vous a plu, je compte sur vous vraiment pour mettre le petit pouce bleu, pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais me coucher, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère ne pas me faire déranger par un mannequin, par un ours tueur ou alors par Satan. Vous pouvez regarder également mes dernières vidéos en cliquant juste sur les petites fiches ici. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, à bientôt, salut. Right now,